treba pisati o onome što ne znamo, smatra francuski autor Eric Viard. Zato zaranje u tamne kutke istorije i događaje koji predstavljaju svojevrsnu zbirku sudbonosnih grešaka vladara, koji su popločali svet svojim tragičkim besmislom. Rođen u Lyonu 1968. Eric Viard završio je studije filozofije i antropologije kao student Jacques Derride, a potom počeo da objavljuje. Njegovi najpoznatiji naslovi su Konkvistadori, Bitka na zapadu, Kongo, 14. jul, Rat siromaha, dok je roman Dnevni red 2017. ovenčan Goncourovom nagradom. Modernistički senzibilitet autora najčešće se odigrava na dva registra, od atmosfere tajnih dogovora gospodara sveta, na kojima se donose zlokobne političke odluke, do sudbine bezimenih ljudi koji jedino traže pravo na život. Svedočeći o istoriji, Eric Viard ispisuje redove o našem vremenu i o svetu koji nije savladao lekcije prošlosti. Vous êtes né en mai 68. Et ce n'est pas par hasard, je dirais. Il y a une histoire où votre mère vous apporte sur le balcon pour regarder votre père protester dans la rue. Il y a quelque chose dans tout cela. Vous êtes très intéressé aux barricades, aux révolutions, à ces mouvements des foules. Je ne sais rien, mais 68, c'est une date de naissance qui ne me déplaît pas. Et puis, c'est un peu une date de naissance collective, c'est ça que j'aime bien. C'est l'une de nos dates de naissance, comme 1789. Et puis, par ailleurs, je crois qu'au fond, si on prend un livre qui, au 19e, a eu sans doute le plus grand retentissement, Les Misérables, on voit bien que le livre lui-même, tous les personnages du livre, à un moment, en quelque sorte, convergent vers une barricade. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la littérature, d'une certaine façon, qui converge vers ce type d'événement. Si le livre et si la littérature a pour objet l'émancipation des hommes, ou en tout cas que cette émancipation traverse l'histoire de la littérature et qu'en quelque sorte elle la justifie, elle l'habite en tout cas, qu'elle est un de ces éléments dynamiques fondamentaux, alors on peut dire que la barricade pourrait en être un des symboles. Parce qu'il y a très peu de notes sur votre enfance. Il y a cet épisode que votre mère vous porte sur le balcon. Sur votre jeunesse, j'ai trouvé que vous n'aimez pas trop fréquenter l'école. Alors, vous avez emprunté les routes d'Europe pour voir du monde. Pour ce qui concerne l'école, bon, j'ai toujours regardé un peu dehors, à travers la vitre. J'avais l'impression que les gens étaient beaucoup plus libres. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Aller au travail, c'est très contraignant. Mais j'avais le sentiment qu'être dehors était beaucoup plus agréable qu'être à l'intérieur, assis, obligé, bon, et que la structure disciplinaire, bon, relative. Mais donc, vous étiez rebelle? Non, j'étais seulement... non, j'étais un enfant, j'étais en avance à l'école, j'étais bon élève, mais j'étais un peu... oui, j'ai toujours eu envie d'être à l'extérieur de l'école. J'avais pas du tout envie d'y rester. Bon. Et il se trouve qu'après, dans ma famille, différents événements ont fait, parce que quand un enfant s'en va et quitte l'école et sa famille, c'est jamais pour des raisons positives. Hein. Ça signifie qu'il se passe des choses, et bon, que la maison est moins agréable ouais. qu'elle aurait dû l'être. Donc, du coup, je suis parti... sur les routes en autostop, je pense qu'il y rentrait quelques rêveries adolescentes liées à la poésie, à Villon. Il se trouve qu'on a des poètes français, voilà, Villon, Rimbaud, qui ont été d'une manière tout à fait différente de la mienne sur les routes. La poésie se prête davantage comme forme littéraire à l'errance. Oui, c'est vrai. Et alors, les premiers livres que vous avez publiés, ce sont des livres de poésie? Oui, ce sont des livres de poésie. Après, vous changez de registre, un peu? Oui, je pense que c'est lié à un phénomène collectif, c'est-à-dire que quand j'étais très jeune, on avait l'impression que l'histoire s'était retirée, en quelque sorte, après la chute du mur de Berlin, etc. C'est comme si, tout à coup, le tumulte des événements collectifs s'était éteint. Il m'a semblé plus tard, enfin c'est l'interprétation que j'en fais, que les événements revenaient, que tout à coup, en réalité, on s'apercevait que l'histoire était évidemment pas du tout terminée et qu'il se produisait des choses justement collectives. Bon. Et que là, c'est pas que la poésie devenait tout à coup inutile, mais en tout cas la narration en tant que telle, qui elle nécessite le fait de trancher, de prendre des décisions qui sont des décisions narratives,
narrative, mais toujours des décisions de signification aussi, redevenaient possibles et peut-être même nécessaires. Donc ça s'est un peu imposé à moi. Et rétrospectivement, voilà, j'ai le sentiment que j'ai à ce moment-là... je me suis glissé dans une possibilité, au fond, que le temps ouvrait à nouveau. Bien sûr, cette réunion était restée secrète, mais on voit un peu quelle devait être l'ambiance à Berlin, juste avant la venue d'Halifax. Et ce n'est pas tout. Le 8 novembre, 9 jours avant sa visite, Goebbels avait inauguré une grande exposition d'art à Munich sur le thème du Juif éternel. Voilà pour le décor. Personne ne pouvait ignorer des projets des nazis, leurs intentions brutales. L'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, l'ouverture de Dachau la même année, la stérilisation des malades mentaux la même année, la nuit des longs couteaux l'année suivante, les lois sur la sauvegarde du sang et de l'honneur allemand, le recensement des caractéristiques raciales en 1935, cela faisait vraiment beaucoup. L'ordre du jour, c'est un récit historique. On est en Allemagne de 1933-1938, donc c'est l'époque du nazisme, une époque où on voit la montée d'Hitler. Comment il vous est venu, ce sujet ? Alors, en fait, les sujets s'imposent toujours à travers des lectures ou un film que je peux voir, un documentaire, des photos, où tout à coup j'ai le sentiment de saisir quelque chose ou qu'en tout cas, comment dire, un détail ou quelques détails viennent faire un peu défaillir le savoir tel que j'avais constitué, comme tout le monde. En fait, l'état de savoir qu'on a sur quelque chose est un élément à la fois stable et instable. C'est composé par les souvenirs des lectures qu'on peut avoir, le souvenir d'une conversation avec quelqu'un, une parole qui nous a marqué, une photographie ou quelques photographies qui nous restent en mémoire. Et tout ça fait qu'on se fait, par exemple, une opinion des élites à l'époque de l'installation au pouvoir des nazis. Et puis, c'est entre autres les mémoires, la relecture des mémoires de Churchill. Et je me suis vite aperçu de quelque chose, c'est que je ne relisais pas du tout le même livre, puisqu'au fond, tout ce qui m'avait attiré lors de ma première lecture dans ces mémoires, je le connaissais bien mieux aujourd'hui que ce que les mémoires pouvaient m'en apprendre. J'aime bien cet épisode, qui est en effet un épisode que vous avez montré aux mémoires de Churchill. Oui, c'est ça. C'est le déjeuner à Londres. Oui. C'est mars. Oui, c'est ça. 38. Oui. Donc, il y a le premier ministre anglais, Jean Berlin. Il y a Ribbentrop qui est son invité. Il vient de devenir ministre des Affaires étrangères, oui, allemande. Absolument. Et puis, il raconte des histoires amusantes. Et en même temps, on apprend que l'Allemagne a occupé l'Autriche. C'est deux registres qui jouent vraiment, oui, d'une manière incroyable. Oui, on a une scène qui se passe, tout le monde discute, ça a l'air affable, c'est un déjeuner. Et puis d'un autre côté, il y a un des personnages qui, en aparté, donc Chamberlain, reçoit, c'est ce que nous raconte Churchill, un petit message des services qui lui indique qu'en ce moment a lieu une offensive militaire en fait en Europe et que les Allemands sont en train d'attaquer l'Autriche. Et à ce moment-là, un petit peu comme dans une pièce de théâtre, Churchill voit Chamberlain se rembrunir un petit peu et puis hop, plus rien ne paraît, la figure redevient lisse, le petit mot repart et le déjeuner en fait continue et Ribbentrop tient, anime la conversation et en quelque sorte la politesse excessive de Chamberlain l'empêche de se lever et de vaquer à ses occupations, c'est-à-dire à ses devoirs d'État. Et donc là, on assiste à un curieux contraste, un curieux, comment dire, nouage entre la politesse d'un milieu très... une politesse excessive, en fait, et puis des événements historiques qui sont momentanément mis entre parenthèses, alors qu'il s'agit du début, au fond, de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi l'Europe était aussi complaisante ? On parle de la France, on parle de l'Angleterre. Ils ne voulaient pas voir ce qui s'est passé ? Oui, alors le livre ne prétend pas répondre de façon exhaustive, au fond, à la responsabilité, etc. Mais il m'a semblé, en fait, en découvrant ce passage et en essayant de l'écrire, au fond, que l'écriture me permettait de saisir un petit peu quelque chose qui était lié, au fond, à un milieu, à un effet de classe, en quelque sorte, qui est que lorsque Chamberlain reste si poli et n'ose pas quitter la table, c'est parce qu'une sorte de politesse excessive, qui est celle de sa classe sociale, l'en empêche. Mais qu'au fond, cette politesse, qui est une chose très incorporée, au fond, très immaîtrisée, très inconsciente presque, a été homogène
à la politique menée, que la politique d'apaisement, c'était une politique de politesse excessive à l'égard des nazis, que c'était une forme assez curieuse, au fond, de mépris. Mais pour faire campagne, il fallait de l'argent. Or, le parti nazi n'avait plus un sou vaillant et la campagne électorale approchait. À cet instant, Jalmar Schacht se leva, sourit à l'Assemblée et lança « Et maintenant, messieurs, à la caisse !» Cette invite, certes un peu cavalière, n'avait rien de bien nouveau pour ces hommes. Ils étaient coutumiers des pots de vin et des dessous de table. La corruption est un poste incompressible du budget des grandes entreprises. Cela porte plusieurs noms, lobbying, étrenne, financement des partis. La majorité des invités versa donc aussitôt quelques centaines de milliers de marks. Gustav Krupp fit don d'un million. George von Schnitzler de 400 000, et l'on récolta ainsi une somme rondelette. Ce livre s'ouvre sur une réunion qui a eu lieu en février 1933. Donc les 24 chefs de compagnie, d'entreprises allemandes, sont invités chez Göring à une réunion. Et bien que l'ouverture est très poétique, la raison n'est pas du tout poétique, mais très pragmatique. Donc, il s'agit de quoi ? Alors, il s'agit de financer une campagne électorale. Donc, ça, c'est ce qui m'a frappé, en fait, en premier lieu. C'est ce qui rend contemporain, d'une certaine façon, cette réunion. C'est-à-dire que les nazis se sont... les caisses du parti nazi sont vides, puisqu'il a fallu financer plusieurs campagnes électorales successivement, et puis bon, donc beaucoup de dépenses. Et du coup, ils viennent pour ce qu'ils appellent les dernières élections, puisque Göring va dire aux chefs d'entreprise ce seront les dernières élections pour un siècle. Voilà, ce qui a l'air de l'amuser beaucoup, et ce qui sans doute les rassure, puisque c'est financièrement rentable, tout à coup. Il s'agit de financer la campagne du parti nazi pour les élections de mars. Alors, les chefs d'entreprise, évidemment, sont plutôt conservateurs que nazis pour la plupart. Mais bon, au fond, ils financent à peu près tous les partis. Ils vont financer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils financent. En Angleterre, ils financent aussi bien les travaillistes que les conservateurs et les libéraux. En France, c'est pareil. Donc, du coup, évidemment, là, avec ces nouveaux entrants, il y a une négociation implicite. Et la négociation porte évidemment sur leur politique économique. Donc, Hitler est venu clarifier la situation. C'est-à-dire, en gros, leur dire que le national n'est pas vraiment socialiste. Et il leur explique qu'ils seront fureurs dans leur entreprise et que donc ils les dirigeront et qu'il y aura une sorte de discipline de fer. Ces chefs d'entreprise qui représentent les plus grandes entreprises du charbon, de l'acier, les banques, les assurances et aussi les instances patronales. Vous parlez de ces entreprises qui existent toujours. Toujours, oui. Ce sont Siemens, Agfa, Bayer, Telefunken. Que si la littérature n'est pas une vocation folklorique, si elle a vraiment vocation à nous dire quelque chose sur le monde, eh bien aujourd'hui, plus que jamais, au fond dans le monde où on vit maintenant, je veux dire, la concentration de la puissance économique est extrêmement grande. On n'a jamais vu ça. C'est des capitalisations boursières de 1000 milliards. Bon. Donc du coup, finalement, cet événement que j'avais en tête, cette réunion de février 33, d'une certaine façon, inaugure ou marque un pas dramatique, au fond, dans l'histoire du grand capital et de la concentration des richesses, et indique une chose, en fait, avant tout, à travers ce que la littérature peut en dire, à savoir que si Montesquieu a raison, si la concentration du pouvoir est toujours un danger, puisque tout pouvoir très concentré risque d'abuser de ses prérogatives, alors une littérature qui ne parlerait pas du pouvoir économique aujourd'hui passerait à côté du monde, serait une littérature qui chercherait juste à nous distraire, à nous faire regarder ailleurs, du côté de l'espace. Oui. Je ne pourrais pas dire si vous avez des personnages principaux. Je dirais que le personnage principal chez vous, c'est l'histoire, avec un grand H. La littérature, puisqu'elle était au service des grands pendant longtemps, pas seulement, mais en partie, s'est trouvée faite pour raconter leur histoire, donc avec quelques personnages centraux, le roi de France, un connétable, etc., un chevalier, enfin, et puis une histoire linéaire, c'est-à-dire en général le destin. Or, pour défaire le destin, il faut que la narration se défasse, qu'elle tente en tout cas d'être non pas aussi complexe que la vie, mais au moins des faits pluriels, multiples, et donc de défaire idéologiquement l'idée qu'il n'y aurait qu'une trajectoire, une sorte de fatalité. Et puis, c'est l'histoire qu'on se raconte, chacun.
Et puis aussi, donc, défaire les personnages principaux de plusieurs manières. D'une certaine façon, il faut parvenir à raconter à la fois l'intériorité et la fonction. Je commence le livre en évoquant des costumes, des manteaux, plutôt que des individus. Parce qu'il m'a semblé, en regardant cette photo qui fait la couverture du livre de Gustave Krupp, en réalité, quand on regarde cette photo, elle est très curieuse. On a un individu qui nous fait face, qui sourit, un côté un peu ravi de la crèche. Bon, c'est un très gros industriel allemand, un des plus importants, un de ceux qui a le plus pactisé avec les nazis, qui pourtant vient vraiment du conservatisme le plus orthodoxe. Et quand on le regarde, en fait, ce qu'on voit avant tout, c'est pas un homme, c'est un costume. Et c'est une impression qu'on a aujourd'hui exactement devant nos chefs d'État, devant nos chefs d'entreprise. Quand on les regarde à un symposium ou à une réunion mondiale, ils sont tous habillés pareil. Et ça nous semble naturel que tous portent aujourd'hui des costumes, par exemple, bleu foncé. Voyez. C'est-à-dire qu'ils aient été habillés par leurs communicants. C'est très curieux. C'est-à-dire tous choisissent exactement le même costume. Ce qui nous semblerait bizarre dans la vie quotidienne, si on se retrouvait avec des amis et que tout le monde était habillé pareil, si tous les journalistes s'habillaient pareil ou tous les écrivains, on trouverait ça louche. Ça signifierait qu'il y a comme une sorte de collusion, enfin, ou d'entente, ou que, pour le moins, en tout cas, une seule personne choisit nos vêtements, ce qui est en soi curieux, que quelqu'un même, en quelque sorte, du coup, nous dicte nos manières. Et ce qui dicte, là... les manières des chefs d'État aujourd'hui, c'est simplement l'idée de plaire, de sembler sérieux en même temps, etc. Oui. Eh bien, c'est un effet qui est capital aussi. La littérature l'a toujours raconté. L'Autriche-Hongrie adressa donc son ultimatum, et à cet instant, tout s'accéléra. Le lendemain, la Russie ordonne la mobilisation pour les régions d'Odessa, de Kiev, de Kazan et de Moscou. À Belgrade, l'ambassadeur d'Angleterre est malade, le Russe vient de mourir et le Français de tomber fou. Le 25 au matin, la Serbie à son tour sonne ses troupes, mais le soir, elle déclare brusquement accepter toutes les dispositions de l'ultimatum, sauf une. Et justement, c'est la disposition qui fâche, celle qu'on regarde de travers, des deux côtés. La Serbie ne veut pas, chez elle, d'enquêteur autrichien, c'est son droit le plus sûr. Et pourtant, sans cela, une enquête ne voudrait rien dire. Alors l'Autriche se cabre. Le lendemain, elle décrète une mobilisation partielle et le 28 déclare à la Serbie la guerre. Le 29, la Russie mobilise à son tour et le lendemain, c'est l'Allemagne qui s'affole de ce grand chahut. Vous analysez ces petits pas, comme vous les appelez, qui ont apporté des grandes catastrophes. Dans la bataille d'Occident, vous parlez de ce petit pas qui a mené à la Première Guerre mondiale. Il y a différentes sortes de petits pas dans la bataille d'Occident qui ont mené, en fait. Mais ce qui m'intéressait, là, effectivement, c'était qu'au fond, là aussi, on a une affaire de milieu. Si l'attentat de Sarajevo a pu avoir lieu de cette façon, c'est parce que Sophie Chotek, faisant partie de l'aristocratie, mais pas des familles royales, lorsque l'archiduc était avec elle, il ne pouvait pas bénéficier du même service d'ordre. Et ça, c'est quand même quelque chose de proprement inouï, c'est-à-dire que c'est comme si la différence de classe allait s'introduire même au plus haut niveau de la société, et en réalité contre ses propres intérêts, là même dans le cas précis. Et ça, c'est une chose qui m'a tout à fait intéressé, qui venait comme froisser l'attentat, le raconter d'une autre manière. C'était au fond le snobisme absolument excessif de cette classe sociale qu'il avait à ce moment-là condamné. En quelque sorte. Est-ce que l'attentat de Sarajevo, est-ce que c'était un petit pas qui a déclenché la guerre ou bien un grand pas? Comment est-ce que vous voyez cet épisode historique? Alors, cet épisode historique, enfin, en tout cas à travers mon livre, tel qu'il m'a il a retenu mon attention. Parce que j'ai l'impression que vous avez de la sympathie pour Gavrilo Petit. Oui, tout à fait, absolument. C'est sa photographie, enfin la photographie célèbre de lui où on le voit comme ça, torse nu, si je me souviens bien, avec juste une veste. Et cette photo de Gavrilo Principe, depuis l'enfant, je pense, enfin depuis le moment où à 12-13 ans, j'ai dû la trouver dans un livre d'histoire à l'école, dans un manuel scolaire, m'a toujours attiré, ému, en fait. Où on a vraiment quelque chose du dénuement, en fait, qui se voit. Et puis ce visage, comme ça, non seulement très pâle, mais très, très triste, très, très affligé. Et du coup, m'étant intéressé à eux, ce qui m'a touché aussi, c'est leur jeunesse. Donc on a un phénomène où, dans un mouvement insurrectionnel, c'est évidemment toujours la jeunesse qui se... Et donc, ce qu'on aperçoit à travers ces conjurés, c'est un instant comme ça, cette jeunesse serbe qui, en quelque sorte, est croate, qui fait face, au contraire, à l'Empire,
très ancien, vermoulu totalement, autrichien. Voilà. Et ouais. Donc ce contraste me paraissait parlant, enfin, et émouvant. Na granici istorije, fikcije i poezije, VR piše o različitim periodima koji su obeležili civilizacijske tokove. Od romana o osvajanju Perua i padu carstva Inka, preko ustanka sirotinje u Nemačkoj početkom 16. veka, o Francuskoj revoluciji, o masakru nad Indijancima u Americi, sve do svetskih ratova koje je doneo 20. vek. Comment est-ce que vous avez choisi ces événements politiques? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur notre temps? En réalité, évidemment, comment dire, on croit souvent ou on dit souvent que l'histoire nous informe sur notre époque. C'est vrai, mais en retour, c'est notre époque qui nous informe aussi sur le passé toujours. Et c'est ça le premier mouvement. Ça part toujours du présent. Lorsque j'écris sur le 14 juillet, en partie, ça m'est venu de plusieurs choses, mais en partie du fait de la crise de 2008. Elle insistait sur la dette. Et puis je relisais des choses sur la, comme j'en lis souvent, intéressé par la Révolution française, voilà, l'endettement des États, etc., le chômage de masse, etc. Bon, et tout à coup, relisant, je sais plus quel livre sur la Révolution française ou lisant un livre nouveau, je tombe sur la dette. Jusqu'à présent, j'y avais peut-être prêté attention, mais pas autant. Tout à coup, je me dis, mais oui, c'est vrai, la France est extrêmement endettée. Il y a un problème de chômage et de libre-échange avec l'Angleterre. Et tout à coup, ces aspects-là deviennent plus saillants parce que ce sont les problèmes du présent. Donc ça vient reconfigurer un peu l'idée que je me faisais des conditions de possibilité de la Révolution française. En fait. Pour par exemple la bataille d'Occident, il me semblait à un moment que, au fond, pareil avec 2008, ce qu'on a vu, c'est que les États européens semblaient s'entendre, il y avait une structure solide, mais au fond, face à la crise, cette structure s'est tout de suite mise à trembler, en fait, et à montrer qu'elle était, au fond, très instable, à la fois autoritaire et instable, un peu les deux. Or, la guerre de 14, ce qui m'avait frappé en lisant pas mal de livres sur le début de la guerre, c'est la façon dont les alliances multiples et très savantes qui avaient été élaborées par les diplomates et les chefs d'État n'ont pas tenu trois minutes, et qu'elles se sont comme décomposées, que même, on peut dire, la machine à être en paix, c'est tout à coup tourné en machine de guerre, au fond, c'est détraqué. Et du coup, je me suis dit que voilà, c'était pas tout à fait sans rapport, au fond, ces deux choses, que quelque chose qui nous paraît très stable, très peut se détraquer d'un instant à l'autre, et que peut-être même, l'origine, Sarajevo, l'attentat, au fond, l'Europe n'attendait que ça pour que la machine se détraque et tourne en autre chose. Le grand veneur l'aurait-il enveloppé dans son écharpe de brume et de poussière? Pourtant, Lord Halifax, tout comme les 24 grands prêtres de l'industrie allemande, devait en savoir un bout sur Göring. Il devait un peu connaître son histoire, sa vie de putschiste, son goût pour les uniformes de fantaisie, sa morphinomanie, son internement en Suède, le diagnostic accablant de violence, de désordre mental, de dépression, ses penchants suicidaires. Il ne pouvait pas s'en tenir aux héros du baptême de l'air, aux pilotes de la Première Guerre, aux marchands de parachutes, aux vieux soldats. Ce n'était pas un naïf ou un amateur Halifax, et il devait être trop bien renseigné pour ne pas trouver un peu curieuse cette promenade au cours de laquelle on les aperçoit tous deux, dans un petit film, admirer le parc à bisons où Göring, furieusement décontracté, dispense ses leçons de bien-être. Vous aimez écrire de ces hommes politiques, de ces élites politiques, entre guillemets, mais vous les dépeignez avec beaucoup d'humour et avec de l'ironie parfois. Vous parlez de leurs petites et grandes lâchetés, de leurs obsessions, de leurs manies. Donc il n'y a pas de solennité historique. Ce sont les hommes tout ordinaires avec leurs peurs, leurs incertitudes et leurs erreurs. L'histoire, ou l'individu d'ailleurs, lorsqu'il est compris sous sa modalité la plus froide, c'est la sculpture ordinaire sur les places, vous voyez, la représentation de l'homme politique ou de nos rois. À Paris, il y en a pas mal, à cheval, bon, place des Victoires, pomme. C'est une représentation à la fois froide, totalement mythologique, on la regarde que de loin. La littérature, c'est le contraire, donc du coup, les ridicules apparaissent. Évidemment, la statue monumentale efface tous les ridicules, elle est faite pour les gommer, donner une idée
altière, grandiose de la vie politique. Mais dès qu'on se rapproche, on est dans la position où se trouve, enfin, dans laquelle veut nous mettre Montaigne quand il dit que peu ou prou, on n'est jamais assis que sur ses propres fesses. J'ai l'impression que l'ironie ou l'humour, à l'inverse de ce qu'on peut croire, produit une connaissance parfois plus juste et que de toute façon, il est indissociable de l'écriture. Il y a toujours une tonalité affective dans une écriture. Je vois que vous ne pourriez pas écrire sans lire. Donc, pour vous, les deux vont ensemble. Parfait, oui, écrire, c'est absolument lié. Et lire. Oui, oui, je pense vraiment que ce sont des activités absolument liées et en même temps, et à la fois distinctes au sens où... comment dire ? En tout cas, quand on lit et quand on écrit, on exerce, je pense, sa sensibilité, son intelligence d'une façon qui n'est pas la même que lorsqu'on parle. Et pourriez-vous vivre sans écrire ? J'en sais rien, parfois il le faut bien. Est-ce que vous l'avez essayé ? En un certain sens, sûrement, je le pourrais. Je pense qu'en tout cas, l'écriture ou la lecture sont liées aussi à un certain mode de vie, à une forme sociale, à une forme de vie sociale qui est une société, disons, stable, stabilisée. Donc dans ce cas-là, on écrit. Je ne crois pas que la littérature soit la seule activité valant la peine, simplement dans un monde où les rapports sont stables, où l'activité politique est relativement atone. La littérature est d'une façon, je pense, parmi d'autres, mais une façon qui, moi, me touche, m'intéresse, me plaît particulièrement, d'atteindre la réalité, d'essayer de la saisir, d'en comprendre quelque chose. Ouvert. On est là pour l'histoire. L'histoire n'est pas une vieille réserve. Avec la musique.